Avec des simples déchets, on pouvait produire des décors pour décorer les classes et les chambres. Et avec des fils de plastique ou métal, nous avons sculpté plusieurs formes des animaux, par exemple des tortues ou des papillons ou des escargots. De la colle et les bases, on peut faire les bases et les supports, des marqueurs et des crayons et des stylos, etc. Avec des cartons, des CD et de la colle, on pouvait produire des décors pour décorer les chambres et les classes, et comme ça. Avec le carton et la colle et un peu de peinture, on peut faire des plafonnières pour décorer le plafond des classes ou bien des maisons comme ça.